Il y a du vrai dans cette animation, vous ne trouvez pas? Quand on regarde un débat, on assiste rarement à un échange cordial d'idées. On voit plutôt des dénigrements, des insultes, des chamailleries. Tout cela manque bien souvent de retenue et il est primordial de questionner cette réalité. Après tout, ce sont bien les débats à la télévision ou sur Internet qui forment nos opinions. Ici même, nous pourrions courir le risque de voir certains échanges s'envenimer, d'où l'importance de voir ensemble comment éviter tous ces désagréments. Certains de nos concitoyens regrettent l'absence de démocratie dans notre pays. Ils prétendent que finalement, le citoyen lambda ne décide de rien et que les débats sont tronqués. D'autres admirent notre système en le comparant aux terribles dictatures dont notre monde est parsemé. Comment est-il possible de se plaindre alors que l'on peut voter, manifester et faire grève? Cela semble incroyable à certains défenseurs de notre pays qui aiment à rappeler aux personnes un peu trop critiques qu'elles sont mieux ici qu'à la chasse à la licorne dans les goulags nord-coréens. Sans doute parce que les termes de démocratie et de dictature sont flous et renvoient aux conceptions de chacun. La célèbre formule de Lincoln veut que la démocratie soit le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais le peuple n'est pas une masse uniforme, ce n'est pas vraiment le troupeau que certains se plaisent à dénoncer. Les membres qui la composent ont des intérêts divergents et des opinions contradictoires. La recherche du bien commun est sans doute le désir le moins partagé dans notre civilisation. On veut avant tout son bien propre. Pour remédier à ça, les pays démocratiques ont opté pour un fonctionnement représentatif. Nous votons pour des personnes qui représentent nos opinions. Chacun peut créer son parti, son association, son club, et à travers celui-ci défendre des intérêts. Idéalement, plus les intérêts sont partagés par un grand nombre, plus les partis et associations rassemblent. Et donc, plus leur pouvoir est grand. Il ne reste plus pour ces différents regroupements d'intérêts et d'idéaux qu'à débattre entre eux et à gagner l'adhésion du plus grand nombre. Cette adhésion amène les votes, les dons ou au moins la sympathie. Le débat est donc un point crucial dans le fonctionnement de notre système politique. Il est malheureusement bien trop souvent le temps de l'affrontement et de la mauvaise foi égoïste. La vérité compte peu et l'art de la rhétorique est primordial. C'est Arthur Schopenhauer qui a le mieux montré les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans les échanges d'idées. Dans son petit ouvrage L'art d'avoir toujours raison, il a présenté 38 stratagèmes que nous utilisons la plupart du temps pour remporter les débats. Par exemple, il explique que la personne qui se met en colère perd bien souvent la face. Appuyer sur ce qui agace l'autre est donc une excellente méthode pour convaincre l'auditoire. Il montre aussi qu'il suffit la plupart du temps de grossir les idées de l'adversaire pour remporter l'adhésion. On peut encore lui faire un procès d'intention pour le décrédibiliser. Pas besoin de vous rappeler les plus connus et utilisés, comme s'attaquer aux origines ou à l'apparence de l'interlocuteur. Une personne mal habillée peut être ridiculisée alors que ses idées sont intéressantes. Ou encore, par exemple, en décrédibilisant quelqu'un sur sa coupe de cheveux. Hein ? 38 méthodes efficaces, comme vous le voyez, pour qui veut convaincre sans se soucier de la vérité. De quoi comprendre pourquoi ce livre se vend aussi bien depuis des années. L'argumentation raisonnée n'a donc pas beaucoup de chances de remporter la victoire dans ces conditions. Malheureusement, argumenter sur les idées et non sur l'image et sur l'émotion est le meilleur moyen de ne pas convaincre. Les problèmes ne s'arrêtent pas là, étant donné le nombre important de citoyens qui composent les pays, les débats doivent être médiatisés. Et cette médiatisation amplifie les difficultés que l'on peut déjà rencontrer dans les échanges quotidiens. Nous sommes déjà de mauvaise foi en choisissant ce que nous allons manger le soir, alors imaginez lorsque nous devons débattre d'idées politiques par médias interposés. La société spectaculaire dans laquelle nous vivons découle pour une part de cela. C'est Guy Debord qui en a fait la critique la plus virulente dans les années 60. Pour faire court, il a montré que la médiatisation des rapports sociaux obligeait à s'intéresser davantage à la forme des discours qu'à leur fond. Nous sommes passés de véritables liens à leur représentation dite spectaculaire. Autrement dit, de la réalité à l'apparence. Il est facile de s'en apercevoir en voyant à quel point l'image des hommes politiques change au fil des modes. Par exemple, de petits colloques servant à décider de la ligne politique à conduire, nous sommes passés au grand meeting à l'américaine. Nous sommes passés de l'image sérieuse et austère à l'émotionnel et à la proximité. Les petites phrases et autres accroches marketing ont pris de plus en plus d'importance du « je vous ai compris » au « casse-toi pauvre con ». Le politique est avant tout un communicant. Mais surtout, le citoyen moyen n'a presque pas son mot à dire dans la plupart des débats. Son avis n'est directement entendu que dans de rares cas précis, référendums, manifestations, pétitions. Plutôt frustrant. D'ailleurs, la demande de participation directe se fait de plus en plus pressante, en témoigne le succès récent d'Étienne Chouard. Mais les échanges entre citoyens sont de plus en plus rares. Le citoyen de son côté est donc avant tout un votant qui se fait son opinion par le spectre du téléviseur dont nous avons vu les dérives dans le précédent épisode. Il finit par glisser son bulletin dans l'urne pour la personne qu'il jugera la plus convaincante. Pour convaincre, il faut, comme nous l'avons vu, éviter au maximum d'être rationnel. Il faut aussi, pour obtenir l'adhésion du plus grand nombre, ratisser large, comme on dit. Cela entraîne immanquablement des débats caricaturaux. Bien souvent, on oppose deux extrêmes, en général un pour et un contre, qui doivent plaire à l'ensemble de leurs sympathisants. La nuance est alors impossible, la concession encore moins. Cela arrange d'ailleurs les chaînes de télévision qui ont de grandes chances d'obtenir des clashs et des buzz.
Malheureusement, regarder un affrontement entre Frigide Barjot et Caroline Fourest est très divertissant. Leur mauvaise foi, leur manque de sérieux et parfois même leur bêtise nous amusent. Un débat entre deux personnes réfléchies et respectueuses l'une de l'autre, qu'elles soient pour ou contre le mariage gay, est a priori moins agréable à regarder. Mais cela est beaucoup plus constructif et sain. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le manque de nuances ne semble pas trop gêner les gens. Et bien souvent, même, ils adhèrent complètement à une idéologie. Ils ne discutent alors plus vraiment leurs points de désaccord avec celle-ci, ils tentent même de les étouffer. C'est ce qu'on appelle gentiment le militantisme, ou méchamment le prêt-à-penser. Et cela a le vent en poupe. Tout en vantant notre discernement, nous nous définissons comme quelqu'un de gauche, de droite, socialiste, démocrate, républicain, féministe, anti-sioniste, altermondialiste, bobo, hippie, skater, gothique, et nous avons de moins en moins peur de tomber dans l'excès et la caricature. Bien souvent, cela entraîne une réflexion manichéenne. Tout est noir ou tout est blanc. Si tu marques ton désaccord sur un point, cela veut dire que tu es en désaccord avec la totalité de ce que je pense. Ou pire, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Assez facilement, une critique à l'égard d'Israël nous donne une image d'antisioniste ou même d'antisémite. Une critique à l'égard des patrons nous fait passer pour un communiste ou un anarchiste. Une critique à l'égard des féministes pour un misogyne. Émettre une opinion nous condamne bien souvent à être mis dans une case, impossible ensuite d'être pris au sérieux lorsqu'on se trouve dans une communauté qui se croit notre adversaire. Une grande peur s'est également installée dans l'opinion de masse. Dans l'angoisse de retomber dans la tyrannie ou le conflit ouvert, un consensus s'est installé. Il s'agit souvent de contrer au plus vite toute opinion pouvant paraître trop divergente ou extrême. Même les plus fervents partisans de la liberté d'expression ne voient aucune contradiction à réclamer la censure de certains contenus. Beaucoup d'associations portent plainte contre la personne qui prononcera le moindre propos un peu stigmatisant ou blessant. Cela entraîne une certaine bien-pensance, parfois combattue sur Internet et maintenant à la télévision. En général, les personnes médiatiques ont peur de choquer ou simplement de perdre des sympathisants ou des auditeurs. Pour y remédier, ils pratiquent ce que l'on appelle l'autocensure, c'est-à-dire qu'ils s'empêchent d'émettre certaines opinions qui n'ont pas l'aval de la majorité. Nous-mêmes, en préparant cette émission, avons parfois eu peur de vous choquer ou de créer des malentendus en utilisant des termes très politisés, et nous nous sommes surpris à nous couper les cheveux en quatre pour ne pas offenser le plus grand nombre. Nous avons beaucoup réfléchi aux exemples que nous pouvions donner en ayant peur de passer pour des homophobes, communistes, nazis, xénophobes, anti-français, beauf. Puis nous nous sommes repris. Nous avons décidé de passer outre ces angoisses et de dire ce que nous pensions clairement. Nous croyons que nous sommes encore capables d'entendre des opinions contraires aux nôtres, sans tomber automatiquement dans la colère. Heureusement, il est encore temps de combattre cette fâcheuse tendance. Les grands changements de société ne se sont jamais faits par l'entremise d'opinions tièdes et consensuelles. Comment pouvons-nous espérer que les choses évoluent si nous continuons comme ça? Même sur YouTube, la moindre vidéo tombe facilement dans le fameux point Godwin et un fade skater peut vite devenir le lieu d'un affrontement politique plein de mauvaise foi et de colère. Il existe un autre problème, certains points au sujet ne sont même pas discutés et obtiennent donc l'adhésion de la majorité. Le manque de débat tient souvent lieu d'évidence. Combien ont une opinion toute faite sur des pays et leurs dirigeants sans y avoir mis les pieds ou sans même savoir les placer sur une carte? Combien de Français n'offraient aucun crédit à Mitt Romney ou à la guerre en Irak? Comment se fait-il que les Français étaient pour la grande majorité pro-Obama et anti-Bush? Cela importe sans doute assez peu, mais le problème devient grave lorsqu'il s'agit de notre politique économique, structurelle et de questions culturelles ou scientifiques majeures. Il semble qu'on ait laissé à la majorité des citoyens l'occasion de s'impliquer dans les grands débats sociétaux comme le mariage homosexuel, la burqa ou le déneigement des routes. Mais on l'a exempté de réfléchir aux grands enjeux de société qui influencent nos vies au quotidien, sans doute plus que les questions sociétales. C'est pourquoi nous nous retrouvons trop souvent devant des discussions entre experts de certaines questions qui sont d'accord sur presque tout, sauf un point de détail que la grande majorité peine à comprendre. Je ne sais pas pour vous, mais les débats concernant la hausse de 0,2% de la taxe carbone ou bien la hausse de 3,8% pour les péages d'autoroute pour relancer la croissance verte me laissent songeur. Il faut dire que pour se faire un avis valable sur les questions politiques, cela demande un travail immense. On voudrait nous faire croire que nous sommes capables de comprendre chaque question. Pourtant, même les politiques dont c'est le métier ont besoin de conseillers pour y parvenir. Depuis tout petit, on nous laisse entendre que notre opinion compte toujours et qu'elle est recevable pour tout ce qui concerne la vie en communauté. Les maîtresses nous ont appris que la seule condition pour donner son avis était de lever le doigt. Nous avons participé à des simulacres de débat pour l'élection des délégués de classe. Maintenant, nous tweetons notre opinion en 140 caractères sur des questions aussi simples que la sortie du nucléaire, la guerre au Mali, les sans-papiers, les vœux du président ou même le gagnant de la Star Academy. Il est vraiment dommage de tomber dans tous ces défauts. La démocratie pose problème, bien sûr, mais elle est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres, selon le bon mot de Churchill. Il nous appartient donc à nous de faire en sorte que cela se passe au mieux.
Il faut avoir toujours en tête que les débats ne reflètent bien souvent pas la réalité et ne sont que des caricatures dont il faut s'émanciper pour avoir une opinion valable. La médiatisation est obligatoire, mais n'encourageons pas sa spectacularisation à outrance. Encourageons le débat constructif, éteignons nos postes lorsque les programmes abusent de nos émotions ou sont au contraire trop consensuels. Ne nous empressons pas non plus de donner notre opinion sur chaque sujet sans prendre la peine d'y avoir réfléchi correctement, quitte à ne pas donner son opinion. C'est tout de même moins grave que de prendre le risque de dire des bêtises, vous ne trouvez pas. Il ne faut pas croire que faire son devoir de citoyen consiste uniquement à se prononcer. C'est un travail quotidien, c'est le prix à payer pour vivre dans un régime qui n'est pas totalitaire. Informons-nous correctement et réfléchissons posément. Mais surtout, écoutons l'autre et prenons en considération le bien général avant notre petit confort égoïste. Nous gouvernons tous pour le peuple et non pour nous-mêmes. Thank you.